Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko, je suis en compagnie de Notorious Jack, Lachapak. Bonsoir. Pour une nouvelle bataille sur demande. Oui, oui. Et là, nous sommes dans le mode légende, Dynasty Ancient Extreme Légende. C'est exact. Donc là, ce sera Champak et Notorious Jack qui vont jouer. Moi, je serai un simple spectateur et commentateur, à la limite. Donc quoi, ça change? Ça change un peu, ouais. T'as été heureux? Bah, ça, je vais me détendre pour une fois. Tu vas me détendre? Je vais te poser dans le canapé. C'est vrai que d'habitude, c'est une. C'est horrible. Ah ouais, c'est pas si simple que ça de commenter et de. Et de jouer en même temps. Des fois c'est dur. Des fois tu bugs dans tes mots. C'est vrai. Alors à chaque fois s'éclate. Donc la bataille sur demande nous impose de prendre Dakiao. C'est l'ailette, je sais plus le chiffre, mais c'est l'ailette quelque chose qui m'a dit ça, enfin qui m'a proposé ça en commentaire YouTube. Donc je vais prendre Dakiao tandis que Notorious va prendre un personnage de son choix. Ouais. Alors il faut savoir que Dakiao est dans son costume de Dynasty Warrior 6 qui est fictif parce qu'elle n'était pas dans Dynasty Warrior 6. Voilà. D'ailleurs si je peux te conseiller un bon personnage que tu ne connais peut-être pas encore, je pense que c'est Pang D. Ça Pang D, je pense qu'il te plairait. Pang D. Ouais. Il est rendu celui-là. Donc ça. Il est vachement bien. Pang D, ouais, ok. Comment je fais? Donc là, Champak, là, il faut que tu te diriges vers le garde aux portes de la ville. Celui qui est en haut, là. Vas-y, à continue, droite. Tu prends à droite. Ouais. C'est bizarre de jouer un personnage aussi pourri que ça. Il va casser la Kiro, je sens. J'ai pas de soif. La pauvre. Non, je rigole. Elle est jolie. Donc, tu peux choisir un petit peu la bataille de ton choix, mais après, tu peux éventuellement... Je peux faire start, là. Oui, donc là tu vas te faire choisir ton personnage. Conseil Pang D, t'aimerais beaucoup. Oui. Ouais, il te plairait celui-là. Et je le vois pas. Ouais, ça c'est un merdeur par contre. Faut que tu connaisses par cœur. Quoi. Pas bon. Au pire, t'as qu'à choisir un des remakes que j'ai eu en DLC. Ouais. À la fin, tout à la fin. Tout à la fin? Ouais. Tout à la fin, c'est toutes les DLC. Ah, tout ça? Alors ça par contre, c'est pas des remakes, c'est des grosses batailles. Et après, encore plus à la fin, t'as des remakes. Tout ça, non? Là où il y en a 3 à chaque fois. Donc tu vois, Bataille de Healing, Dynasty Warrior 5, Dynasty Warrior 4, Dynasty Warrior 3. Celle-là? C'est comme tu veux, tu choisis ce que tu veux. Ah ouais, tiens. Nanzong? Ouais. Alors là, choisis ta difficulté. On se met en quoi? Alors fais gaffe parce que Dakiao est pas entraîné du tout, et était en 5 étoiles rouges. Ouais, bon, on va se mettre en normal. Ça va être chaud déjà. Je crois que ça va déjà être pas mal, ouais. Pour Dakiao. Pang D, peut-être qu'il va tenir un peu plus la route. De toute façon, c'est toujours moi. Pang D, en gros, c'est. Si tu veux, c'est un guerrier. Quelqu'un d'assez. Non, je tiens à préciser que je ne connais absolument pas Dynasty Warriors. Ouais. Bon, Pang D, si tu veux, c'est le mec. Pour lui, ouais. L'honneur sur le champ de bataille, c'est très important. D'accord. Ouais. C'est quelqu'un qui recherche aussi des défis. D'accord. Vraiment. Ouais. La voix du guerrier. La voix du guerrier, du samouraï et de la laitue. Oui, bon, le samouraï, c'est pas le même pays. Je sais. C'est pour ça que J et la laitue. Oh, ça fait bizarre de voir cette carte. Ça fait bizarre de voir aucune personne. On est sur Warrior 3, hein. Alors t'es du côté d'une vous êtes du côté d'une Allemagne. Ah oui, exact. Et vous attaquez Zugeir en guerre. J'espère que tu vas t'en sortir, Champagne. Bon, on va essayer. On va essayer. C'est des officiers qui vont être problématiques. Ouais, c'est surtout des officiers. Ah oui, putain, ils sont nuls. Il est nul. Alors, c'est surtout le cri. D'accord, c'est que je l'ai jamais joué, hein, encore dans Dynasty Warrior 7. Moi, je l'ai déjà joué et à un moment donné, même, j'avais commencé à l'entraîner, mais quand j'avais sur Xbox. Ah, d'accord. J'avais pas terminé. Alors, après, pas tout de suite, mais à un moment donné, vous pourrez essayer de changer les armes parce que c'est des armes en DLC. Ça peut être intéressant de démontrer au passage. Ouais. Oula. Ça c'est l'arme qu'elle avait dans Dynasty Warrior Strike Force 2, qui n'est pas sortie encore chez nous. Oula. Je n'avais jamais testé. Une espèce de canon à fleurs. Ouais, c'est.
ça permet de découvrir. Ouais, pardon, les voix des japonaises. J'avoue. Ah non, mais faut pas m'envoyer dans leur pays aussi, là. Faut dire franchement. Ça va non plus, hein. Je plaisante. Ah non, non, moi je plaisante pas. Faut dire franchement. Oui, bon, les japonaises sont très mignonnes, hein, j'avoue. Ah oui, oui, moi j'y vais, non, c'est bon, je me maque là-bas, hein, c'est clair et net. Vous m'envoyez dans ce pays, je reviens plus. Moi non plus. D'ailleurs, j'aimerais bien m'exiler là-bas. C'est vrai. Voilà. Bon, j'ai des soucis, tu peux te mettre. Je sais pas si t'as que ça pour le moment. Oui, ouais. Je suis en train de battre ça. Ouais, ouais. Moi, je m'en fous sur la gueule. Alors n'hésite pas, Notorious, à... Là, parce qu'on est, on est contre le chou, en fait. D'accord. N'hésite pas à changer d'arme, parce que c'est une arme en DLC, et c'est toujours sympa de la montrer aussi. T'as une deuxième, c'est une arme en DLC? Non, c'est la deuxième, en fait. Ouais, d'accord. Okay. C'est une espèce de masse, en fait, c'est la masse de Xeodun qu'il avait dans Dynasty Warrior 6. Et c'est également... Ouais. Hein? Ouais. Non, là, c'est des haches totales. Voilà, ça c'est la masse de Xeodun de Dynasty Warrior 6. Et c'est également l'arme qu'ils lui ont mis dans Warriors Orochi 3. Est-ce que tu aimes l'arme de On dirait que je joue à la Vekubaïdec. T'aimes bien Pangé? Ouais, ça va, ouais. Il y a une fois, ça va. Ils m'ont fait vachement grand aussi dans le set par rapport à. Ah, peut-être un peu pour rivaliser avec la taille de Guan Yu, tu vois. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, il est vachement plus grand à mon avis que dans le 5. Je suis pas sûr, hein, mais à mon avis, oui. Zhou Yun est un adversaire tendu. On tue Wang Xing. Wang Xing, en fait, Wang Xing. Wang Xing. Un frère de Guan Su. Fils de Guan Yu. Ça va aller. Wow. On va essayer. Oula! Non! Non! Je sais pas, ouais, je vais y crever là. Barre-toi. Faut que je casse, que je trouve la vie. Les archers, tu vois. Je vais le dire. Faut pas que tu croises d'archers, là. T'as pas le même level aussi. Ah bon? Pas du tout, non. Bon. Déjà, rien qu'à la barre de vie, ça se voit. Est-ce qu'il y a de la vie là-dedans, là? Non, je sais pas. Ouais, mais... Ouais, mais il y a une grosse attaque sur notre camp, là. Ouais, pour le moment ça va, mais ça peut empirer si on laisse faire. Hein. Faudrait qu'on aille défendre dans notre camp, Notorious. Ouais, c'est où? C'est au sud. Le truc de bleu, là? Ouais, ouais. Oh non! Oh, le troll, quoi. C'est un mieux, quoi. C'est du gros troll, c'est vrai. Non, parce que Champagne vient de trouver, parce qu'il cherche de la vie, mais il trouve un truc qui augmente sa barre de vie totale, ouais. Et qui lui redonne pas de vie, tu vois. Ouais, du coup. Donc ça me met encore plus dans la merde. Et si je les attaque eux, ça les fait pas revenir? Non, parce que je suis chez eux là. Je m'abuse. C'est si tu bats les capitaines de garde en fait, ils reviennent pas après. Je suis dans la jungle là. Et il n'y a pas un pauvre vase. Ouais. Je vois ça. Pas un peu de... Ah oui, en fait, c'est la première fois qu'on utilise l'âge de PVR. C'est vrai. Ah, bien. C'est bon, j'ai retrouvé de la vie. Bon, bah écoute, moi je vais attaquer au nord-ouest. Hein. Donc vous avez dû remarquer que la qualité est bien meilleure que... Non, ah oui. Est bien meilleure que les autres vidéos qu'on a fait sur Dynasty Warrior 7. Ou sur console HD en général. Non, t'es pas au nord-ouest, la flèche rouge. Moi, je suis la flèche rouse, là. Ouais. Je m'en suis occupé là, dans le monde où tu vas là. Je suis venu par là. C'est une espèce d'attaque sur notre champ. Ah oui, attends, je vais te prendre en l'envers. Oh,
j'arrive. Nous aussi on attaque leur plan. Attends, c'est dedans, hein. C'est pas un piège à la con quand t'as attaqué le camp principal, il foutait le feu et. Ah, peut-être bien. Je peux remonter par là. Tiens, où viens là, toi. Foiré. C'est le mec qui se cache derrière les arbres. Hein, ouais. Il y a Massou qui vient de le tuer. Ouais, il fallait. Ouais. Toujours bon. Horreur de Massou, Vélez de merde et de Zougayang. Je suis désolé, mais j'aime pas trop les Dead KO. Hein. Bon, y'a pire, hein, mais. Bon. Au niveau de ses attaques, c'est vrai que c'est un peu moyen. Ouais, c'est pas. Bon, je veux pas du tout offenser. Hein, Peut-être aussi parce qu'on est des garçons, hein, sans être sexiste, peut-être pour ça qu'on accroche pas. Peut-être. A voir qu'il y a des filles que j'aime bien. Bah, y'a. Ouais. Je fonce sur notre camp. J'aime bien aussi. Zingai est mieux. Ouais. Enfin, après, c'est mes goûts, mais. Enfin, c'est au niveau des armes, surtout. En fait. Était plus bouclier. Kai Wenji, elle a quoi comme arme? Là. Ah, oh, non, j'aime pas trop. Zenji, j'aime pas trop non plus. Ouais, c'est moyen. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez perdu? Je crois que vous avez perdu. Ah merde! Ça s'est fait niquer. Ouais, il n'y a pas eu assez de défense au niveau de votre camp. Bon bah c'est pas grave, hein. Je pense qu'on monte la vidéo dans sa réalité. On a perdu. Vous avez montré la KO quoi. Voilà. Ce qu'il faut. Ah, attends, j'ai fait l'attaque tout seul, moi, tranquillou. Ouais, mais. On n'a pas défendu en attendant, et c'est ça le problème. Bah ouais, mais moi j'ai attaqué tout en mode c'était caché. Ouais, mais notre camp il était pas défendu, c'est ça le truc en fait. Bah non, ils sont passés par mon côté. Pendant ce temps, ils ont indiqué si tu veux. Je sais pas par où ils sont passés, mais en attendant, moi je vais pas regarder la carte, mais moi. C'est la revanche ou. Bah ouais, moi je veux pas de problème. Tu prends un côté, je prends l'autre. Bah au pire, vous mettez une autre bataille, ouais, qu'à faire. On va prendre une autre bataille. Encore plus hardcore. Je voudrais te faire tester un autre personnage pour me dire ce que t'en penses. Vas-y. Comme ça on lui fait découvrir un peu les persos. Ouais. Oh putain, ouais, pas mal ça. Côté. Bah attends, on va se mettre côté Wei. Alors peut-être la KO. Ouais. Ça fait bizarre. Non, j'ai pas enlevé moi. Ah bah oui. Oui. Faut que tu fasses start. Yes. Tiens, essaye Xuang. Celui-là, ouais. Il pourrait te plaire. Là, je te conseille de prendre Wei dans Shishu. Alors, on va faire. Attends. Ah, ou Changban. C'est du 4. Ouais. Bah, écoute, Changban, on va se mettre côté. Toi, t'es quoi? T'es un. Bah, on va se mettre KO KO. Hein. Takiao, c'est qui en fait? C'est la femme de Sun Tse. Et si Liu Befui, on a perdu? Oui, si Liu Befui, vous avez perdu. Chiant, ça. Ouais, les chiens du côté Wei, ouais, celle-là. On va se mettre côté Yubei alors. Et ouais, Sun Tse, ouais, c'est le. Je sais pas si tu te souviens, le fils de Sun Jian. Ah ouais. Oui, je me souviens. Dans le Chou. Dans le Wu. Dans le Wu. Ouais. Donc là, tu vas te battre contre ta dynastie normalement d'origine. D'accord. On peut dire qu'on a déserté. Hein, et après qui? Zhuang. Ah oui. On peut dire que Zhuang a changé de camp, c'est une petite histoire parallèle dans un monde parallèle. C'est quand c'est que tu vas peut-être le croiser dans l'autre camp? Moi, je t'apprends dessus. Donc là, en fait, t'es un peu Xuang, c'est un mec, ouais, c'est un bon guerrier, bien. J'adore son look, moi. Tu vois. Il y a le costume de quelle Dynasty Warrior? Le 7, je crois. Le 6. Ouais, le 6, c'est le plus mauvais. Oh non, je croyais que c'était le 7. Oh, t'as un costume de merde là, je suis désolé. Ouais, t'as le pire costume de Xuang en fait. Non, non, c'est pas possible. Non, 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 je suis désolé, il peut pas jouer avec un costume comme ça. Hein. C'est pas grave, moi, je suis au top, moi. C'est... Ah non, non, non. Combien de temps l'enregistrement là? Je sais pas. Au pire, on coupera. Je vois, ouais, mais juste pour avoir une idée. Je sais pas, je vois pas où c'est. C'est en bas à droite, mais je vois pas d'ici. On va faire un petit montage au pire. Ouais, je pourrais mettre ça en deux parties. Temps écoulé, un quart d'heure.
Bah juste, ouais d'accord, ok. Bah ça compensera... Remets start. Yes. Ça compensera justement le fait que... Tu rends mieux. Et tu mets... normal. Normal ou original? Non, normal. Normal. Original, c'est le costume, tu sais... Ah oui. Oui. Ouais. Ok. Bon, bah c'est parti. Par contre, là, tu devrais pouvoir bien t'en sortir, Notorious, parce que Zhuang est à fond. Ouais, j'ai vu ça. Bon, là, tu vas voir sur le costume que je voulais que t'aies. Le vrai, bon... Un peu guerrier mystique, un peu... D'accord. Ouais, celui du 6, ils ont mis un look franchement pourri. Je sais pas s'il y a des gens qui l'aiment. À l'arrache, quoi, franchement, ils savaient pas quoi foutre et ils ont mis un vieux casque, un vieux. C'est horrible. Voilà! Ouais, c'est pas du tout la même chose. D'accord. Ouais. Espèce de vache. Ouais, putain. En vrai, genre, ça. Alors, cette arme, c'est lâche. On doit en faire quoi là? Il faut battre. Ouais, il faut que Liu Bei s'enfuit. Il faut qu'on couvre la fuite de Liu Bei. Voilà, là en fait, donc c'est une bataille où Liu Bei était poursuivi par les forces de Cao Cao. Enfin, en gros, c'est. On barre la route pour cette bataille-là. Et nous, il faut qu'on passe à travers cette espèce de barrage ennemi pour que notre seigneur Liu Bei puisse s'échapper. Et je crois qu'il y a sa femme et son fils dans le château au milieu qui sont prisonniers. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont parfait la scène. Ouais, on est avec le chou. Ouais. Ah, du coup, ça compense la défaite, puis on fait une deuxième bataille. Quoi. Oh, je lis l'enchaînement que j'ai fait. Alors, Xiaodun. Oh là, gentil, Xiaodun. Tout calme. Il est fort, hein. Ouais, et l'arme que Notorious Jack utilise dans le DLC également. C'est également l'arme qu'ils lui ont mis dans Warriors Orochi, donc ils sont retournés à la hache. Hein, c'est bien. Il avait pas de base, sinon c'est une limite plus de hache, quoi. Ouais. Ce stade-là, c'est dur et dur. Ouais. À la base, il lui avait mis la même lance que le mec, en fait. Ah oui. Et Guanyu, si vous avez le jeu sans extrême légende. Mais Guanyu aurait été différent avec extrême légende, je vous rappelle. Comment ça capture le mec à chaque fois que je tape dessus? Ouais, oui, si, ça le colle en fait, si tu veux. Ça le colle à mon arme, je suis d'accord. Ouais, ouais. Une grosse bataille. Ouais. C'est un petit peu dur pour toi d'ailleurs, Champagne. Ouais. En même temps, ouais, 5 étoiles rouges, Dakiao, quasiment jamais utilisé. Pas évident, hein. Ouais, je crois que Dakiao, j'ai utilisé une ou deux fois. Tiens, j'essaye de le battre. Oh là, il m'a raté, j'ai bien chuté. En fait, j'ai dû l'utiliser pour le mode conquête au moment où on se fait obligé. Et qu'on meuble les jambes parce que c'était le personnage recommandé, mais c'est tout en fait. Donc j'ai dû l'utiliser 3 fois. Ah oui. Ouais, c'est puissant ce canon. Il me reste toujours la même jambe. Fais chier, je croyais les avoir tués là, comment ça se fait? Ouais, c'est puissant ce canon. Hein. Comment ça se fait qu'il y a plus qu'un plein de vieux temps qui t'aime bien? Je crois qu'il y en a beaucoup dans cette bataille. Ouais. J'ai battu KO. J'ai tué lieutenant et tout dans le groupe. Bien vu, c'est ça? Ouais. Après, c'est les capitaines de base qui font et que le soldat qui vient. C'est celui que tu dois défendre. Ouais, enfin, c'est Liu Bei qu'on doit défendre. Il est où Liu Bei d'ailleurs? Je crois qu'il est encore au nord. Bien sûr. Je sais pas, c'est une question. Ah, il y a Xiaobu qui vient de faire. Je vais évoquer la situation. Ouais, il est en train de défoncer son canon aussi. Alors j'ai jamais testé l'un que t'as en champagne encore. J'ai acheté, mais j'ai toujours pas testé. C'est un espèce de canon qui bourrine. Oh, et ils ont sorti le bateau pour
un grand gars. Dégage. Ah ouais. Ouais, le bateau, c'est... Non. Ça sent la merde quand même. Yubei, il est là. Et on sort bien pour une fois. Ouais, enfin, c'est quand même galère, hein. Pour lui, il faut que tu le protèges, Yubei. Lui, ouais, il va falloir se mettre en facile, quoi. Ouais, non. J'espère qu'il y a un saut avec de la vie dans le coin. Je passe devant, je lui pète tout le monde, et puis voilà. Alors quand même, on les avait un peu amochés là, alors... Bon, ouais, il y a un poil, hein, quand même tout seul, tu vois, tu as 470 morts. Les gars, je sais pas pour vous, mais à l'époque, ils savaient se battre. Hein. Et je trouve pas de vase avec de la vie. Pourquoi? Non. Pourquoi il n'y a pas de vie? C'est des batailles assez difficiles, ouais. C'est fait exprès, à mon avis, pour lever le défi au passage. Ah, je suis vraiment la merde. Oh, il y a KO KO! Il y avait. Si on le bat, je crois que c'est. Ah ouais? Ah bah, pas le. Moi, je suis la merde. Ok, le camp. Arrivé, il va trop commencer à couper, le but en fait. Voilà. Il va te redonner de la vie, le panda. Ah ouais, c'est vrai qu'elle a un panda, j'ai mis un panda d'accord. Il redonne de la vie. Ouais, il te redonne de la vie. Ouais. Bon, bah, vous voilà. Avez gagné cette fois. Ouais, une grosse rouste. Ouais, bah KO KO, si vous le tuez, vous gagnez. Ah bon ouais. Bah pourquoi il s'est mis devant moi là? Parce que je crois. Et a vu que t'étais en train de défoncer cette coupe. Ah bah ouais, c'est... je suis passé, j'ai fait... Bon bah voilà. Hein. C'est pas moi qui ai fait le plus gros boulot, hein. Bon, en même temps, l'entraînement... Ouais, c'est tombé, hein. Ouais, c'est clair. C'était limite avec Rugé, pour le dire. Bon, bah, vous allez pouvoir... vous arrêter là pour Dakao. Bah voilà, on espère que vous avez aimé cette vidéo sur Dakao, qui s'est fait aider par deux gros guerriers. Voilà. Et puis, bah, on vous dit à bientôt pour une... bataille sur demande. Salut, bonne soirée à tous.